Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Océane, ma sœur. Et on va vous faire un haul sur tout ce qu'on a acheté pour Halloween. Donc on va tout de suite commencer, je vous laisse avec la suite de la vidéo. En premier on a acheté, c'est des nouveaux trucs qu'ils ont sortis aux États-Unis. C'est des blessures déjà toutes faites et on a juste à les décoller, les coller sur la feuille blanche qu'il y a. Les décoller la feuille blanche, les coller sur la peau, mouiller avec de l'eau. Et vous enlevez et là la blessure elle est sur votre peau et il n'y a aucune démarcation, c'est vraiment super bien fait quand vous êtes pressé, enfin c'est super bien. Ouais, si vous ne savez pas faire aussi. Ouais. Par contre ça coûte un peu cher, ouais. Celui-là il coûte 20€. C'est le sourire, enfin c'est le truc même pour mettre ici. C'est celui d'Océane. Ouais. Et celui-là il coûte 17€ et c'est le mien parce que je voulais pas faire un énorme truc, voilà. En plus je peux te rajouter des trucs avec du latex et du papier. Ouais voilà, on s'est dit. Et en fait on a acheté un peu tout ça. Parce que il n'y a pas trop de trucs qui se passent vers ici, enfin il n'y a pas trop de fêtes pour Halloween. Du coup on va à Port Aventura, en Espagne à Salou, pour Halloween. Donc et on va avec notre cousine et tout, ça va être trop bien, c'est pas la première année qu'on y va. Enfin, il nous tarde trop. Et le sourire et les autres trucs, ça vient de C'est la Fête, ça aussi on va vous préciser quand ça vient pas de C'est la Fête. Ouais. Alors ça, donc c'est une palette. Donc ça c'est une palette de fard gras. Donc il y a plusieurs couleurs. Et le pinceau il vient pas de la même palette, enfin c'était pas avec. Et lui il coûtait 3,50€, donc de C'est la Fête. Et la palette elle coûtait 24,50€. Pareil, C'est la Fête. Et on a juste à mouiller le pinceau ou le fard pour mélanger un peu. Et enfin c'est mieux, ça fait, c'est plus propre. Ensuite on a acheté du faux sang. Donc lui il est liquide, comme ceci, toujours de C'est la Fête. Et lui c'est quoi? C'est qu'on le sent un peu plus coagulé. Ouais, voilà. C'est un gel quoi. Du sang coagulé et lui tout liquide. Ensuite chez Jiffy on a acheté des faux ongles, donc elle en a acheté un et moi aussi. Ça a coûté 1€, 1€ le euro kit ça. Pour 10, et... 10 ongles. Non il y en a même pas 10, il y en a 12. Ah oui 12. Parce qu'ils sont pas tous pareils en fait. Et il y avait ça avec, c'était une colle pour les ongles, mais elle est vide. Il y en a pas dedans. Genre ça a séché. Il y a vraiment rien. Et comme ils sont super beaux, enfin beaux voilà. On s'est dit qu'on allait les peindre en noir, enfin les mettre du vernis en noir ou rouge, enfin on va voir, et les couper comme si on avait gratté un peu la terre ou je sais pas, et du coup on s'est cassé les ongles. Et les casse et les couper en pointe comme ça, ça fait bien peur pour Halloween. Et ah oui, et donc ça on l'a pas, enfin c'est à moi, je l'ai pas acheté cette année, et c'est des grosses palettes de fard, donc elles sont énormes, et donc c'était juste pour vous en présenter deux, pour parce que ça, elles coûtent pas très cher mais il y en a assez. Je vais ouvrir elle. Elle vient de Nocibé. Elle vient de Nocibé, ouais. Elle est comme ça. C'est la Mirror Palette. Donc voilà, il y a ça. Bon, ça c'est pas trop utile pour la faire tomber, voilà. Et donc c'est ma grand-mère qui me l'a acheté. Donc je m'en utilise jamais. Mais pour Halloween, j'aime bien la sortir parce qu'il y a plein de couleurs. Donc, voilà. Et elle, pareil. Mais elle est celle de Nocibé, un peu plus pigmentée. Et elle, je l'ai achetée déjà. En Espagne, non? Ouais, c'était un truc un peu comme Nocibé. Donc c'est la palette maquillage. Comme ceci. Mais tu fais quoi Lisa? Je voulais la montrer. Mais ouais, mais t'as tout cassé. Ouais, t'as tout cassé. Elle est comme ça. Elle. Donc là c'est les fards gras ici. Là c'est les fards poudreux. Et là au milieu c'est un peu les blushs et les... Ensuite on a acheté, mais c'est pas de cette année, de la peinture blanche color tube. Où ça? Bah C'est la Fête. Ah oui, C'est la Fête, voilà. Donc elle a coûté je crois 3€. Ouais. Voilà. Je voulais juste vous la présenter, c'est une crème, donc c'est la Nivea crème, hyper grasse. Vous pouvez la trouver pardon, dans plusieurs supermarchés, enfin partout. Ouais, elle est vraiment hyper grasse. Et du coup en fait je voulais juste vous la présenter pour vous donner un peu une idée d'acheter une crème pas trop chère pour mettre en dessous d'un maquillage d'Halloween ou comme ça, parce que c'est vrai qu'il faut protéger la peau. Et de préférence une crème grasse. Parce que si on va se mettre sur la peau, pardon. C'est parce que si vous en prenez une légère, enfin, ça peut vous faire des boutons, des allergies ou quoi, que ça, ça vous protège bien de la peau et voilà. Ensuite, on a acheté un fond de teint, pas de cette année non plus, Maybelline. C'est le Dream Satin Fluid, mon accent. Donc il est comme ceci, c'est de Maybelline, je sais pas si je l'ai dit. Donc il est pas blanc, c'est pour avoir le teint parfait, enfin, un peu clair. Ouais, en fait à la base je voulais l'acheter pour moi, pour mon teint, mais je ne mets jamais de fond de teint déjà de 1. Et en plus il est trop clair, donc je l'utilise pour Halloween. Alors ensuite on a, c'est pas les faire tomber, de vous des fards individuels, pardon. Voilà, donc ça c'est bleu, là il y en a 3 et la rouge. Ça coûte 2€ pièce,
Donc pareil, c'est la fête et c'est des fards gras. Mais là, je vais pas trop m'en utiliser deux vu que j'ai acheté cette année la palette de fards gras. Ensuite, il y a le fard à paupières. Donc ça, c'est un fard à paupières individuel de chez Kiko. Il est noir mat. Voilà, je voulais juste vous le présenter. Dis le numéro. 180. Ouais, voilà. Ouais, parce que je vais l'utiliser, donc je voulais vous le présenter. Donc ensuite, j'avais acheté l'année dernière des pinceaux de chez Claire's. Et voilà, pour Halloween, pour pas salir mes autres pinceaux. Mais au final, j'utilise quand même d'autres pinceaux. Ouais. Comme des petits fins comme ça, enfin voilà, des pinceaux classiques. Et juste deux faux encres qu'on avait acheté l'année dernière. Normalement je crois que ça se jette, mais on les avait pas jetés. Voilà. En cas que ça peut servir ou quoi. Et celui... Ils sont pas mal. Ouais. Parce que... Attends deux secondes, parce qu'ils ont... lui il a durci, alors du coup c'est vraiment des petits morceaux en fait, c'est trop bien. Regardez, attends, il tombe pas. Non, ça fait vraiment de la gelée. Et celui-là, qui date de l'année dernière, on l'a re-acheté cette année, donc comme il est trop bien, voilà. Ensuite, j'ai acheté un super 24h stay de chez Maybelline. Donc je l'ai acheté en hypermarché. Stay with me. Stay with me. Je l'attends, il est parti chercher. Elle est partie ouvrir à des gens inconnus à mon existence. Elle arrive vite, j'ai peur. Et donc voilà, le stay 24h, nanana. Et je sais pas quel thème c'est, je sais pas où c'est. C'est la thème 2 là. Ah bah voilà, la thème 2 c'était chez vous. Et tu t'en sers pour quoi ça? C'est un peu un correcteur, mais je l'utilise pour Halloween parce qu'il est hyper clair. Donc ouais, voilà. Par exemple, si je veux cacher les sourcils, je mets de la colle. Donc voilà, on met de la colle et ensuite bon voilà. Il y aura dans une vidéo donc comment vous expliquer pour cacher ses sourcils. Car on fera un maquillage pas esprit pour ça, mais bon voilà. Donc vous verrez. T'es soufflée. Oui, je vais souffler parce que j'ai descendu les escaliers, bon bref. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'utilise le stay 24h. Ensuite ça on l'a acheté à C'est la fête toujours, donc c'est... Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu rigoles comme ça? Je sais pas, ça m'a fait rire. Ensuite, donc ça c'est un crayon gras. Donc ensuite on a acheté un vernis pour les dents. Donc pour cacher les dents, c'est un vernis noir exprès pour les dents, assez la fête. Donc par exemple pour mettre les dents en pointe ou quoi, ça peut être super bien. Parce que je vais faire un maquillage à clown, donc je crois qu'on va l'utiliser là-dedans. Ensuite, je l'ai pas acheté exprès pour Halloween mais je m'en sers. C'est une base de teint de chez Make Up Forever. Et voilà. La high base de définition primer. HD. Ensuite on a acheté un vernis aussi, sous forme de vernis, mais c'est exprès pour le visage. Donc en fait je crois que vous en mettez sur le visage et ça creuse petit à petit. C'est du collodion. Ouais voilà, du collodion. On l'a acheté chez C'est la fête et ça coûte 5 euros je crois. Non 8, 8 euros. 9. Bon 8, 9 euros mais c'est assez cher, mais bon ça va ça être bien. Ça en vaut le coup. Ouais voilà. Et ensuite il me reste des fossiles de l'année dernière. Donc ça c'est des fossiles de Claire's. L'unité. Ouais je les ai achetés à Claire's. Et il y a différentes tailles, je sais pas si vous voyez. Ça coûte 5,95€. Je sais pas si cette année ça coûte encore le même prix. Ah, et des lentilles. Ah oui, des lentilles, parce que moi j'arrive pas à les mettre, mais elle arrive trop bien et c'est trop stylé comment elle fait. Mais c'est trop facile à les mettre. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu pour nos achats et ce qu'on avait. Voilà, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.